Ou Kiki pour les intimes. Tu ne suis pas. Tu n'as pas compris encore. Non, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le COPS numéro. Tu suis. C'est bien. T'as dit 17. Voilà. J'aime quand tu fais ça. Donc, on est sur le COPS numéro 17. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu. Et j'ai pris le véhicule le plus rapide du monde. Le véhicule qui peut faire des interceptions de malades. Le Polispeel. C'est tellement ridicule, mais c'est tellement excellent pour patrouiller dans les petites zones comme ça, pas trop accessibles. Je trouve ça à la pointe de la technologie. Regardez, regardez, il se plie en 10 pour rentrer dedans. Regardez, on est bien. Regardez, il est trop beau. Il est trop heureux dans son petit véhicule. Oh, ok, d'accord. Oui, bon, ça, on n'a rien vu forcément, hein, c'est un peu petit pour le personnage. Il y a quelques petits bugs et son cerveau aussi de se cogne un peu la tête. Heureusement que j'ai pas mis de casquette. Mais vous voyez, il y a le gyrophare et tout, hein, on va allumer le petit feu, voilà, petit feu à l'avant, très bien. Hop, poussez-vous, police! On circule! On se... Attention! Ah, t'es impressionné, toi, je vois que t'es impressionné. Bon, bref, arrêtons de rigoler, nous sommes quand même la police. Un petit peu de respect, on se moque pas de la police dans son petit véhicule. Oh, juste, je veux faire un truc. Bonjour messieurs, est-ce que tout se passe bien? Ouais, quand il y a un handicapé, enfin, bon, c'est un petit peu violent ce que je dis, mais vous voyez, les petits fauteuils pour se déplacer. Oula, 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 ouais, par contre, niveau stabilité, c'est pas top top. Bon, donc nous allons patrouiller un petit peu, vous voyez, hein, du côté de la plage, du côté de truc. Oh, on a un sniper! Oh, j'ai jamais eu ça! Oh, nous y allons, un sniper! Donc on reste dans les petites zones, on va rester au niveau de la plage aujourd'hui. Il y a un sniper, on a intérêt à faire attention, ouais. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, niveau tenue de route, c'est pas terrible. Hein. Il y a un sniper, mais... Wow. Il est où le sniper? Ok, il est là-bas, il se déplace. Il se déplace. Ah, vous voyez, vous pouvez pas passer, ben moi je peux passer. Poussez-vous! Poussez-vous! Il est là, il fuit! Ah! J'arrive! Police! Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, le véhicule, toi! Bon bah, GG les gars, GG, bravo, vous avez réussi. Vous avez réussi. Je suis quand même arrivé plutôt rapidement. Hein. Un petit peu, hein. Ouais. N'y crois pas trop. Alors, on va appeler la morgue. Bonjour, il me faudrait la morgue. Genre, j'ai perdu la portière de mon véhicule, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus, je me suis à moitié jeté. Tellement à ras du sol, le truc. Et je repars en patrouille. Même mon collègue, il se fout de ma gueule. T'as l'impression qu'en fait, c'est une punition. Bon, bah, il surveille. Parfait, il surveille. Non, on repart patrouiller. Hop là. Et on va vite fait réparer le véhicule. Voilà. Impeccable. Allez, on repart en petite patrouille. Oula, 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 on a un conducteur armé. Parfait, nous y allons. Regardez, il est là-bas. Vous voyez, c'est trop bien comme véhicule, je peux passer partout avec. Partout. Waouh, waouh. Ah ouais, par contre, ouais, niveau tenue de route, zéro, hein. On a un conducteur armé. Allez. Allez, bien roule, bordel, roule. Poussez-vous! Ok, quand je freine! Ok! Est-ce que vous avez vu? Oh mon dieu, quand je freine, le mec il fait 10 tonneaux! Allez, remets-toi droit, bordel! Ah bon, on va pas. Remets-toi droit! On dirait une tortue! Mais remets-toi droit! Oh là, oh là 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 là! Oh, la police la plus nulle du monde, hein! Pousse-toi, toi! Police! Où est-ce qu'il est? S'il est armé, on va peut-être appeler des renforts quand même. Ah oui, il tire sur les gens, hein. Oh là là, il tire et tout. Il me faut du support, il me faut du support. Il est où? Ok, il me poursuit. Ok, je suis poursuivi. Au secours. J'ai besoin de renfort. Ça, c'est lui qui me chasse, quoi, bordel. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais, oh ouais, il est énervé, lui, hein. J'ai besoin du... non mais clairement, le SWAT, là. Intervention du SWAT, moi, policier... Un policier qui se fait tirer dessus là. Hein. Je ne peux rien faire. Hein. Je vais pas mettre ma vie en danger. Hein. Ah là, je me protège.
Il est là-bas, les gars, il est là-bas. Il est où le SWAT, là? Ah, la police arrive, la patrouille arrive, le SWAT arrive. Voilà, là, les véhicules arrivent, parfait. Qu'est-ce que fait le... Pourquoi il y a un camion là-bas? Allez, on va aider les potes maintenant, c'est parti. On y va. Ok, je me suis retourné, sors de là. Sors de là. Oh là 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 là, j'arrive. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Attention. Oh putain, c'est tellement drôle. Oh là là. Le mec, il arrive, il se retourne. Oh mon dieu. Bon, on va appeler on va appeler la... Comment dire, la dépanneuse qui vient de chercher le véhicule. Oh. Mais non, pitié quoi. On se moque pas, monsieur sergent Ramirez. On ne se moque pas. Alors, est-ce que j'ai appelé le... J'ai pas fait attention. Est-ce que j'ai appelé la dépanneuse? Qu'est-ce que je fais? D'accord, je fouille le capot, très bien. Au cas où, on sait jamais, hein. Bien évidemment. Bon, je peux appeler le... Ah, mais je crois que c'est parce qu'il y a le cadavre... Mais oui, j'ai oublié de... Ouh, je suis trop bête. J'ai oublié qu'il y avait le cadavre à l'intérieur. Donc on va d'abord appeler la morgue, qui va s'occuper du cadavre. Voilà. Ça va être beaucoup mieux. Et une fois qu'il sera occupé... la morgue sera occupée du cadavre, je vais pouvoir appeler la dépanneuse. En attendant, je vais essayer de remettre mon véhicule en place. Attends, ça doit pas être compliqué vu comment c'est tout léger. Remets-le droit. Ne veut pas le remettre droit. Bon. Je vais m'en faire popper un nouveau. On va faire spawn. Police 4. Voilà. Hop là. Il est rouge. Bah parfait, il est rouge. On le laisse rouge. Ouais, allez, on va le laisser rouge. C'est pas très grave. Non, je le préfère en noir quand même. Le mec plutôt difficile. Ah, ça y est, vous avez fini. Parfait. Je vais le remettre en noir quand même parce que la police, elle est noire quand même. Alors, on appelle la dépanneuse. Voilà, ça sera mieux. Ouais, je me pousse. 2 minutes, les gars. Ok. Merci. Heureusement que j'ai dit 2 minutes. Ne me fais pas respecter non plus. Voilà. La dépanneuse arrive. Et moi, je vais vite fait modifier mon couleur de véhicule. Véhicule couleur. Hop, black. Parfait. Et moi je repars. Salut, merci, merci Roger. A plus, on repart patrouiller. On repart patrouiller nous. Alors nous on était, hein, on patrouillait, on a dit au niveau de la plage. Alors on retourne au niveau de la plage. Hop, attention, excusez-moi, attention. Voilà, poussez-vous, police. Police, poussez-vous, merci. Laissez-moi passer. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau maintenant? Hop là. Un suspicious passager. Oh, bah tiens, c'est derrière en plus. Qu'est-ce qu'ils font sur la plage? Suspicious passager. Alors, où est-ce que ça se passe? Ah, c'est là. Bonjour! Police! Waouh! Mais ça tire encore, mais laissez-moi tranquille! Arrêtez! Oh, non, il y a de l'eau! Il y a de l'eau! Arrêtez! Je vais me noyer! Je vais me noyer! J'ai cassé mon véhicule. Parfait, j'ai cassé mon véhicule. Allez, en même temps, dans 2 cm d'eau. Non, je suis mort. Bah oui, mais aussi là. Ce véhicule ne fonctionne pas dans l'eau. Je devrais acheter un véhicule amphibie la prochaine fois. Oh, mais je suis juste un petit policier. Un police municipal, je suis. Je suis un police municipal, plutôt, on dit. Et non, mais sérieux, quoi. Oh là là. Laissez-moi tranquille. Ah bah tiens, on va aller patrouiller par là, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? On est un petit peu dans le centre-ville, on va aller dans les rues piétonnes et tout. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, j'improvise. Spawn, police, 4. Oh, parfait, elle est déjà noire, magnifique. Hop là, laissez-moi passer. Voilà, on va aller patrouiller un petit peu par là. C'est un petit peu, on va dire, la zone, le centre-ville de Los Santos. Et je pense que bah, c'est intéressant aussi de patrouiller par là.
Voilà, comme ça on peut aller dans les rues piétonnes. On peut aller, on a accès dans les petites ruelles. Regardez, est-ce qu'on a accès ici? Je ne suis pas sûr qu'on puisse monter quand même. Hein. Non, on peut pas monter. Mais par de l'autre côté, on peut avoir accès. On peut rouler sur les trottoirs avec ça. Hein. Et j'ai le droit. Hein. J'ai le droit, ça passe partout. Alors, police! Alors, qu'est-ce que nous avons? Poursuite armée. Non, ce n'est pas pour nous. Hein. Nous, nous patrouillons tranquillement dans la zone. Il y avait un feu. Non, c'est bon, il était ouvert pour moi. Hop là. Bonjour, police! Est-ce que tout se passe bien par ici? Bon, écoutez, apparemment, oui. Apparemment, tout va bien. C'est parfait, tout ça, c'est parfait. On va passer par là. Et on va tourner ici. Voilà, moi je voulais aller un petit peu dans la rue piétonne qui est ici. Qui m'a l'air beaucoup... Qui m'a l'air très calme. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un point là? Ah oui, non, mais ça c'est les missions là. Ouais, non, non. On va pas aller le voir lui. C'est... Ça c'est les missions quand vous êtes en solo. Alors, possibilité d'overdose... De drogue d'overdose. Eh ben on y va. Overdose de drogue. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Voilà, c'est... Eh, vous savez même pas comment c'est ingérable, hein, ça. Oh là, oh là là. C'est bon. Ça y est, je l'ai. Voilà, police. Poussez-vous. Laissez passer. L'urgence. Oh non, 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 non. Oh, c'est encore lui, bordel. C'est lui qu'on avait eu dans l'épisode 16. Attends, j'arrive. Bouge pas, toi. Je vais m'occuper de toi. D'accord, la police le voit, mais... Je m'en occupe. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes défoncé, monsieur. Oui, déjà la dernière fois. Hein, la dernière fois avec mon collègue, hein, on vous avait prévenu. Il faut arrêter. Waouh. D'accord, monsieur, on va aller faire un tour au poste, monsieur, hein. On va aller faire un tour au poste, monsieur. Oui. Voilà. Parce que vous êtes défoncé, là, ça va pas du tout, monsieur. Allez. À genoux, monsieur, à genoux. Voilà. Hein, ça va vous calmer, là. Parce que là, je sais que là, vous êtes quand même sur l'emprise de la drogue. Hein. Voilà. On va appeler le véhicule. En attendant, monsieur, vous vous levez et on va se mettre sur le trottoir. Venez, ça va un peu mieux, là. Venez par là, monsieur. Voilà, venez par là, ça sera moins dangereux. Oui, attention, il y a une marche quand même. Sinon, t'as qu'à te détacher aussi. Hein. Remettez mes notes tout de suite. Monsieur, remettez vos menottes. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, vous êtes magicien en plus, hein. Voilà. Tu te calmes un petit peu? Non, mais... Ok, le mec, il résiste au taser tellement il est sous pression. T'es attaché ou t'es pas attaché? Qu'est-ce qu'il fait? Le mec il est défoncé, calme-toi. On reste là, voilà. Le véhicule, voilà, tu vas te faire embarquer. Toi ça va te calmer un petit peu, hein. Bon, fais gaffe, il est défoncé, il fait des trucs chelous, hein. Oula, le freeze que j'ai eu là, désolé. Petit freeze. Hop là, allez. On remonte dans le véhicule et on retourne patrouiller. Oui, tu vois, tu es choqué toi aussi, hein, je le vois que tu es choqué. Je le vois. Alors nous repartons. Voilà, il m'a embarqué, hein. On peut passer là dans la petite rue? Parfait. On passe par là un petit peu, voir ce qui se passe. Alors. Tout va bien? Ils sont calmes les gens, je trouve, en ce moment. Hein, la ville est plutôt... Plutôt calme. On sait pas plus mal, on va dire, mais bon. Quand même. Hop, le feu est rouge. Ah, regardez, police de proximité, on va aller aider quelqu'un. Il y a un véhicule qui est en panne, on va aller l'aider. J'ai eu un signal par rapport à la centrale radio qui disait clairement que le véhicule était en panne. Alors nous y allons de suite. Ouh, c'est bon, ça passe bien. Voilà, super. On va prendre à gauche. Waouh, waouh, freine! Voilà, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Je suis stable. Hop là, je suis dans la mauvaise voie de route. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Bonjour monsieur. Oh là là, vous êtes en panne. Hein. Ah, attendez, je vais vous donner un coup de main, monsieur, à repartir. Hein. J'ai été mécano dans le passé. Hein, c'était mon ancien métier. Alors, ah, regardez. Ah oui, tout à fait, monsieur, une durite qui a pété. Voilà, liquide de refroidissement qui fuit. Je vous rebranche ça, je me brûle les doigts, mais ça va. Voilà, c'est réparé, monsieur. Ne me remerciez pas, hein, je suis la police de proximité. Je peux vous venir en aide. Hein, vous avez vu ça, c'est très impressionnant. Bonne journée, monsieur. Ah, vous voyez? La classe, hein? Ça, c'est plutôt classe. Voyons. Il y a des véhicules ici, parfait. Il y a des petits véhicules garés. Alors, on va retourner dans notre travail, dans notre zone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu what the fuck? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est là? J'ai vu un véhicule, non? Ah non, c'est l'ombre, d'accord. C'est juste l'ombre. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Un bien méchant là. Oh! Tout va bien? Alors, un petit appel qui pourrait être intéressant. Poursuite, il progresse. Ça a été un petit peu tendu. Une ambulance a été volée. On allait sur l'autoroute. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse? Allez, course-poursuite avec ce véhicule. Je pense que ça peut être très drôle. C'est parti. Attention, les amis. Waouh, waouh. Déjà au premier virage. Hein. Ça part très mal. On peut pas monter là. On va monter à la prochaine. On va le rattraper, on va rattraper. On vole pas d'ambulance. Non mais oh, il se croit où lui? Je ne suis pas prêt de les rattraper. En plus, c'est même pas par là. Il faut que j'aille tout droit. Oh là là, oh là 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 là, la catastrophe. La catastrophe. Allez, on y va. J'arrive. Attendez-moi. Oh non, mais ça tient pas la route, c'est impossible, c'est incontrôlable. Hein. Oh, il est sorti. On a peut-être de la chance, il va peut-être revenir vers nous si j'arrive à me restabiliser. Restabilise-toi. Voilà, super. Voilà, c'est bon. Oh là là, oh là là. C'est bon, ça y est. Alors, où est-ce qu'il est? Il est plus sur l'autoroute déjà. Donc, ça peut être un bon point pour moi. Je crois qu'il est plus sur l'autoroute. Il est où? Ah, mais si, il est encore sur l'autoroute. Non, mais il va trop loin. Non, mais j'abandonne moi. Non mais j'abandonne, moi je pourrai jamais le rattraper. J'abandonne, j'abandonne, voilà. Je vous laisse, ils vont s'en occuper, hein. Non, mais je peux rien faire là, je peux rien faire, on est d'accord? On est d'accord que je peux rien faire les amis, au bout d'un moment là, moi je n'ai pas le véhicule requis hein, pour travailler dans des bonnes conditions là. On a l'impression que j'ai été... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il court? D'accord, très bien. Non, je pensais qu'ils allaient se taper, mais non. Ils avaient juste envie de courir, les gens. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Possibilité d'intoxication. Allez, on y va. Il y a une personne qui est intoxiquée. Non, mais... Oh, c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Ah, pousse-toi. C'est par là? Je sais pas trop vers où c'est par contre. On va couper par là. J'ai l'impression que c'est par là, non? Ah, c'est sur la route au-dessus, ok. On va prendre le petit chemin là. Voilà. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Madame! Madame! Comment allez-vous, madame? Je vous appelle tout de suite une ambulance, madame. Ne bougez pas. Putain, elle se fait écraser la tête. Elle va se faire écraser la tête en plus. Attendez madame. Ne bougez pas. Voilà, j'appelle une ambulance. Elle va venir tout de suite. Je fais ralentir les gens. Hein, attention s'il vous plaît, attention. Hein. Oui, la dame est pas très bien. Veuillez... Non, on va pas mettre des barrières. Attention. S'il vous plaît, respectez. Respectez le...
la personne blessée. Voilà, je mets des barrières. Non, c'est mal mis, ça. Voilà. Je vais bloquer la route. D'accord, ça c'est à l'envers aussi, ça. Voilà. Décalez-vous, s'il vous plaît. Ok, l'ambulance, ça m'a fait peur. Oh là 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 là. Vous êtes des malades, hein. Il y a un panneau, bordel. D'accord, eh, ils sont vraiment débiles. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour la dame qui est là. Faut la sauver, hein. Oui, sauvez-la, c'est pour la dame qui est là, venez. Voilà, je l'ai trouvé comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, elle était définitivement morte! C'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fait? On vole mon tuk-tuk! Rendez-moi mon tuk-tuk! Police! Arrêtez-vous! Il a volé mon tuk-tuk! Pourquoi il a volé mon tuk-tuk? Arrêtez, police! Police, je cours aussi vite que lui! Oh! Arrêtez-vous! Mon tuk-tuk! Rendez-moi mon tuk-tuk! Non, moi, c'est mon tuk-tuk! Police, je réquisitionne ce véhicule! Attendez! Oui, police! Je réquisitionne ce véhicule, on a volé mon tuk-tuk! Poussez-vous! Oh non! Mon tuk-tuk! Oui, j'appelle ça un tuk-tuk. Oh, mais il est parti trop loin, là, non? Oh, je le reverrai jamais. Oh non, mon tuk-tuk! Oh non, le désespoir se lit sur mon visage, non? Oh non! Oh, il a volé mon tuk-tuk! Oh, il était trop heureux de le voler, en plus. Oh, je suis trop deg. Mais non, c'est pas possible, mon tuk-tuk! On va aller rendre le véhicule à la personne que j'ai emprunté. Oh, il a volé mon tuk-tuk! Oh, je suis tellement deg! Bon bah, tant pis. Il va falloir que j'en recommande un. Oh, il est parti tellement vite. Il a... Et en plus, le mec, il sait le piloter. Il galère moins que moi, tu sais. On n'y croit pas du tout. Oh, le vol de tuk-tuk. Je remets le véhicule là. Je l'avais emprunté par là. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh, c'était tellement beau. Spawn, police. Spawn. Police. 4. Il ne dira rien à ce sujet. Spawn. Police. 4. Oh mon dieu, mon tuk-tuk. Allez, c'est pas grave, j'en ai un nouveau. On me le vole pas celui-là, hein. Qu'on me le vole pas. On va lui mettre un petit coup de peinture. Hop, hop. Voilà. Parfait. Bonjour madame! Allez-y, traversez, c'est pas à moi de passer. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, tiens, aux États-Unis, en fait, quand le feu est rouge, même s'il n'y a pas de flèche ou quoi, comme en France, vous pouvez tourner à droite, en fait. C'est un viewer qui m'avait dit ça une fois, et je ne savais pas. Et merci à lui. Et en fait, quand vous êtes à un feu, en fait, et que vous... Enfin, il n'y a que à droite, hein, vous pouvez tourner à droite, si bah, vous ne gênez pas la circulation, tout ça. Et je ne savais pas, et voilà. Quelque chose, et en vrai aux États-Unis c'est pareil. Alors peut-être pas partout aux États-Unis, je sais pas, mais en Californie, apparemment Los Angeles et tout, on peut. Bref, bon, on reprend ses esprits, hein, on continue nos patrouilles quand même. Terrorist activity, non, c'est pas de mon ressort. Moi je veux faire des trucs un petit peu. Encore quelqu'un qui a un homicide, voilà, ça c'est dans ma compétence. On y va, petit homicide. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, calme-toi. Tiens la route. Où il est? Ah! Oui, bah je pense que la personne sera morte, hein, le temps que j'arrive. Tu peux te remettre droit, petit tuk-tuk? «
Enfin, le mec, c'est une toupie, quoi. Allez, remets-toi droit. Oh là là, le mec, il galère, hein. Remets-toi droit. C'est une catastrophe. C'est le pire cops du monde. Ah, les interventions les plus nulles du monde. Voilà, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Ah. Ouh là là. Ouh là là. Non, Johnny. Johnny, ne fais pas ça, Johnny. Tu fais une belle boulette. Ne le tue pas parce qu'il est noir. C'est du racisme, Johnny. Ne fais pas ça. Ok, putain, j'ai cru qu'il allait tirer dessus, mais non. Johnny, viens là. Mon tuk-tuk. Viens là. Les renforts arrivent, parfait. On va l'intercepter. Où est-ce qu'il est? Il est entré dans le chantier? Ah non, il est là-bas. Intervention! Arrêtez-vous, police! Police! Police, arrêtez-vous! Hop, taser. Voilà. Non, taser, j'ai dit. Tu ne bouges pas, tu ne bouges pas! Alors, Johnny, qu'est-ce qui te prend? Retourne-toi, Johnny. Voilà. Main derrière la tête, Johnny. Enfin, main derrière le dos, s'il te plaît, Johnny. Voilà. Impeccable. Alors, Johnny, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? C'est mal. Hop. Besoin d'un véhicule pour venir embarquer ces messieurs. S'il vous plaît. Voilà, il arrive. Parfait. Parfait, parfait. Il y a quelqu'un qui est bourré dans son véhicule, là. Je vais aller m'en occuper. L'autre, j'ai vu, là. Il roulait pas droit. Et en plus, il avait un peu d'alcool, apparemment. Alors, on y va. Ah, à droite. Ouais, ça tient bien la route. Ça tient bien la route. Non, ça tient pas la route. Là, il va avoir le temps de se sauver, lui. Non, 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 c'est lui, là. Il avait marqué qu'il était alcoolisé. Alors, on va lui faire un petit peu de test. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Je vous demandais vos papiers. Oula. Je demandais vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. José Manguela. Je vais faire une petite... Oui, vous marchez pas droit, monsieur. Hein, vous ne me paraissez pas très bien. On va passer au contrôle... Alors, c'est José Manguela ou Manguela. D'accord, je suis en train de fouiller le véhicule, parfait. Manguela, j'avais dit. Voilà, il n'y a rien d'intéressant, d'accord. Monsieur, je pense que vous êtes sous l'emprise d'alcool. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai la caméra qui est buggée. Voilà, je fais de la drogue analyse. Voilà, j'analyse. Négatif, négatif. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Attendez, je vais vérifier votre identité parce que du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais vérifier votre identité, monsieur. J'avais dit que vous appelez José Manguel. C'est pas ce que j'ai tapé? C'est pas grave, on va revérifier ça. Ne bougez pas. Redonnez-moi votre identité si vous voulez. Hein. José Manguele. Voilà, voilà. Monsieur José Manguele. Voilà, là il sort ses valises et il n'y a pas d'activité. Ouais, mais vous me paraissez pas très bien, monsieur. Hein, va falloir aller voir un médecin. Hein, parce que moi j'ai l'impression que. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ne me dis pas que t'as essayé de voler le véhicule quand même. Ouais, fais attention, hein. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte, quoi. Non, mais ils sont pas bien, les gens, ici. Bon, monsieur. Monsieur, non, mais monsieur, ça va pas du tout, hein. Monsieur, vous êtes choqué psychologiquement? Comment ça se passe? Comment ça se passe, monsieur? Je sens que vous êtes pas très bien. Je vais vous appeler un psychologue, monsieur. Voilà. Je vais vous appeler un psychologue parce que je sens que vous m'avez l'air un petit peu déprimé, monsieur. Hein. Donc, les psychologues vont arriver. Hein, ils vont voir votre état un petit peu parce que là... Je sens que... Il y a un truc qui ne va pas chez vous, monsieur. D'accord? Alors... Elle va peut-être pas tarder à arriver, voilà. On va patienter, monsieur. On patiente. Le véhicule arrive. On va...
Alors, où est l'ambulance? Voilà. L'ambulance arrive avec les psychologues. Unpress, alors, c'est pour lui. Oh, ça crache. Non, ça crache. Oh, ça crache, ce mode. C'est chiant. Ah, ça crache. Bon, bah, écoutez, monsieur. Hein, je vois que... Je vais devoir vous laisser partir, monsieur, mais... Vraiment, allez voir le médecin ou quoi, hein, je vous sens pas très bien. Voilà, je n'ai rien à vous reprocher. Mais allez-y, partez tranquillement, monsieur. Hein, mais faites attention à vous. Voilà. Bon, alors eux, ils vont rester là parce que le mode a craché, donc ils ne bougeront plus de là. Bon, bah écoutez, tout va bien. Tout va bien dans la ville, même si j'ai perdu un tuk-tuk qui a été volé, mais bon, c'est pas grave. Hein. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais essayer de me remettre droit. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer, à commenter. Vous pouvez aussi commenter, hein, ça me fait toujours plaisir. Voir si cet épisode vous a plu. Voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook et Twitter, les amis. Je vous embrasse, jouez bien aux jeux vidéo, éclatez-vous et je vous fais des bisous. Salut, les amis, merci à vous. Et on a passé les 7000. On a passé les 7000 sur YouTube. Allez, on continue, on lâche rien. Bisous.